Bonsoir tout le monde. Nous venons porter quelques updates qui ont rapport avec l'ancien président de la République là, Jovenel Moïse. Nous tous connaissons qui perdit la ville dans une situation malheureuse, la Kaili, dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet. En fait, pigro question, en pile mon a cherché comprendre comment se fait-il que président perdit la ville alors que il était entouré par plusieurs monde qui était supposé assurer sécurité. D'abord, faut nous dire que pas de gain sanitaire lé une idéologie. En fait, m'a essayé nous comprendre. Lorsqu'on pouvoir idéologie, c'est pas nèg cap marcher derrière parce qu'on va payer yo. Parce que y a font cob avec c'est nèg qui croit dans bataille que on va faire. Et ces questions ça a proposé tête ou la diriger. Qui est nan nèg cap marcher avec yo qui prête pour mourir qui croit dans bataille moi. Et que je dis au cap poser une question tout. Est-ce que gagnon yon idéologie PHTK en soi? Et d'ailleurs on parle au cap font mise en question Jovenel Moïse était-il du parti PHTK? C'est des points d'interrogation. Donc, nous voulons dire, pour tout pouvoir qui n'a pas une idéologie, de série de nèg qui a une conviction, une vision, y a marché des idées, eh bien, l'homme est tout bon vrai, tout le monde a beau vague. Parce que ce n'est pas des gens qui étaient engagés dans la bataille. Ouais. En fait, c'est le premier principe pour nous comprendre en politique, c'est qu'on s'allie. Au moins, tu as supposé qu'on nèg qui dit, eh bien, moi-même, je vais mourir pour le président. Ça n'a pas fait. C'est ça où il est, c'est ça lié. OK? Donc pas gain en idéologie. Mais en aller présentement qui ça cap dit là. Déjà gagné au sein même de la famille politique on mésentend. Ariel Jean mais ça le déclaré. Il dit que son excellent Jovenel Moïse m'installerait comme premier ministre et on l'assassinerait. Je veux plus d'éclaircissement sur cette question. Bon traversé et condoléances à la famille. N'a pas dit là ces déclarations justement Ariel Henry. Ariel Henry nommé par Jovenel Moïse avant sa mort et qui était supposé installer cet après-midi. Mais ça le dit. Il dit que certaines décisions prises par le premier ministre ad intérim Claude Joseph après l'assassinat de ce dernier. OK? Il dit que il désapprouvait décision ça yo et il dénonçait assassinat Jovenel Moïse. Il dit que Claude Joseph t'es supposé réfléchir avant même que il prend certaines décisions. Il fait référence à arrêter que Claude Joseph prend conseil des ministres aller à la côté que il dit lui-même li là jusqu'au bout jusqu'à ce que l'élection fait lui-même ensemble avec tout ministre li yo. En fait Ariel Henry qui t'a intervenu sur Radio Zénith, dit fait qu'on est que c'est dans émotion que certaines décisions par peur que il prend, il promet, il dit la rencontrer avec Claude Joseph pour une correction apportée. Oh bon, là est-ce que monsieur croit que l'est-il premier ministre? Donc là vous comprenez le malaise. En tout cas, que on monde veut le coup pas veut et Claude Joseph tient la reine du pays en ce moment. C'est lui qui a dirigé le clé, il dit lui-même la pla, il pas dit pour février non, il a pla pour jusqu'à ce qu'il gagne élection. Déjà, il y a un malaise. Il y a un pile nèg qui te gantan gen place comme ministre, des alliés qui gantan dit son gon l'autre coup d'état qui fait là lorsque Claude Joseph déclaré que c'est lui président. OK? Donc là n'a pas l'eau. Cette bataille interne qui déjà déclarée au sein même de la famille politique. C'est ça qu'on comprend là. Le malheur de l'un arrange l'autre. C'est vrai que je dis, je venais la famille à prier, mais qu'on ben nèg cap fêter là parce que côté ma pas la voilà là, qu'on ben nèg nous voulait parler de pile ministre qui pas supposé dans place. Qui était supposé aller. Et mais voilà-t-il que yon pouvoir côté que on dit indéterminé puisque pas ou pas un mandat qui plus belle même que pour voir Jovenel te gagner parce que Jovenel Moïse voulait parler faut le t'aller et 7 février 2022 nèg ça au dou pas gagner aller pour yo. OK, d'autres points que n'a porté pour vous c'est que
Yo ta fin konnen mesenè yo décharger toutes zam yo sous président Jovenel Moïse. Fait d'après information yo, ZPT bras cassé, couviré, cadavre apparaît défiguré. Mesenè yo qui te sel cabane nan nan chanm nan. Yo pote ali tout document yo te joine avec l'argent. Donc c'est comme quoi m'dadou d'après information yo. Yo tatouye le temps qu'on gros bandit pour make sure qu'il mouri tant qu'on ti vagabond défiguré. En tout cas, nous même nous prend qui m'a dit ça. Nous prend précaution pour ne pas bailler image parce que t'as là une image vraisemblablement c'est d'orvalité. Il y a précisément l'autre là encore côté que yo bandé toute figure. Yo t'a fait comprendre que c'est Jovenel Moïse, nous pas tellement quoi. Nous comprenons nous pas qu'à confirmer image que yo montre qui bandé, c'est en deux choses. Et nous doutons, nous ne voulons pas justement, parce que tout à l'heure, il faut dire que c'était un héros, excusez-nous, c'était effectivement et image justement de avocat et bâtonnier de l'ordre là, et d'Orval que vous avez promené. Mais il faut savoir, l'autre encore, côté que tout visage là est tempé, et que vous avez fait comment je venais, et d'ailleurs, nous n'avons pas grand alibi pour nous dire, c'est lui parce que tout visage est tempé. Donc, nous prenons précaution, nous ne pouvons pas même montrer l'image ça, ok? Ok. Maintenant, donc, n'a pas trop contexte à vous comprendre ça qui a passé dans le moment où Jean-Bagay a déroulé. Et d'autres points, vous avez fait comprendre que le juge de paix, Karl Henry, qui fait constat. Ok. Juge de paix, t'a semblé que le recevoir en pile balle dans le moment. Juge de paix a dit, d'après constat, il te fait constat le rapport que le bail, il dit que Jean Sodoula là, Jovenel Moïse dit plusieurs fois à la tête, dans les oreilles, dans les yeux. Nous comment ça veut dire? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, Jean Sodoula là, yo mec chou que le président mouri. Défiguré ces rapports, ces rapports, ça qui est juge de paix à te bail. Selon juge de paix, Karl Henry, que dans ce moment là, il dit qu'il t'a touché, qu'il t'a pris en balle. Moun ki yo te enroje nan kala afirme ke yo te minote tout moun net. OK? Sa ta vle di tout bal nou tap tande la, ça veut dire sou sel moun. Et di tout bal ki tap vidéo, tout c'est à sou Jovenel Moïse. Juge de paix fait constat semblé Jean Doula qui t'a recevoir plusieurs balles. Donc en d'autres termes ça vous comprendre, c'est justement yon intervention côté te vle make sure que justement le président moun toujours update yo yo ta fait konnen que la avant qui fait différence gen anpe moun yo prend là actuellement DCPJ yo parle de membre de commando yo arrêté par DCPJ alors là voilà trop facile puis il y a le brouiller puis yo non t'es bien. Même tout bon recul. Parce que vous connaissez même un problème avec chef la police. Surtout là, il était bien rapide là. Il était grand temps de dire c'est Fantôme 509 qui vit des mouna tenant d'Elma. Vous comprenez? So, puis il y a des gens qui ont classé le dossier ça. Et puis il y a des gens qui ont tout commandé. Et puis enquête close. Ok? Enquête close. Et ça, vous avez fait comprendre là. Ok? Vous avez un anecdote là. Parce que vous dit effectivement. En République Dominicaine et effectivement yo t'a fait comprendre que et gagnent justement des monde qui t'a essayé sauver que yo arrêté maintenant là pour monde tant que Dimitri Erard. OK Dimitri Erard normalement journée jodi à la est supposé et normalement la première note en fait présumé assassin intercepté par la police il dit appel rien. OK il dit des présumés assassins c'est le secrétaire d'état communication Franck Exantus qui dit que la police gain temps arrêté plusieurs présumés assassins moi c'est pas là trop facile bon après prendre pour nous ça que Franck Exantus c'est pas n'importe monde. C'est Franck Exantus qui dit que présumé assassin de président Jovenel Moïse a intercepté
pour en fait des élèves qui bien intégrés comme ça qui gagne et des plusieurs monde qui parle espagnol américain ça veut dire on va l'arrêter au facile comme ça dans pèlerin monsieur regardez nouvelle pas ban moins yo nèg yo professionnel yo nèg yo contrôler entrée nèg yo contrôler sortie yo OK tenez bien big up personne monde prend monde pour macaque là pour regarder dimanche qu'est-ce qu'il va finir là on arrêter monde. Nèg yo contrôler entrée yo c'est des il a nèg yo pas contre ça mercenaire. Nèg yo pas contre qui ça mercenaire non même. Mercenaire boss papa on va le débarquer. Mais on dit ba la bien. Et ça ngain là, ma konnen. Police que ngain là pour qu'on prépare pour deal avec des mercenaires qui vous débarquer. Rapide mais ça c'est si me comprendre bien là c'est il a appli avec Jimmy Cerisier qui t'est venu faire attaque ça pour facile comme ça ça veut dire négro fin faire quoi là il a le poser au pèlerin nous gétan prend yo yo gétan prend yo yo le présumé ce pas rien monde qui prend ba ça non mais nous l'attendez bon au moins nous t'a dit na nous prend yo pendant qu'il a traversé à Saint-Domingue vous comprenez ça veut dire négro fait quoi là yo caché nan pè et nan même pèlerin et puis nous gen ta arrêté yo facilement et puis yo te ba on nouvelle bon yo te dim que des séries de mon informateur mais ça attendez bien c'est là où l'on gen tête sou dim que ou prend en pè moun parce que avant nèg yo vini yo gen des informateurs dit des séries de moun qui nan pèlerin k'ap ba yo tout secret des séries de moun an dan k'ap di ki lè tel bagay fèt OK. Et dis-moi que ou arrêter quelques informateurs. Mais pas dis-moi que facilement comme ça là et ou gain temps arrêter des mercenaires. Vous comprenez? Et puis si m'ta comprendre là et dossier close. Moi c'est que ba la trop easy. J'en ai voulu faire le comprendre là. OK? Crise là et crise ça li beaucoup plus profonde que Jean Negyo ta fait comprendre. Et donc voilà guys, c'est quelques updates justement que nous te vle porter pour là. Déjà m'te dit nous que yo t'ai arrêté Dorsena. Dorsena certainement gen bay pour lui expliquer. Nous connait qui est-ce qui Dorsena. Et Claude Joseph parlait avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Moi je pense que gen un ensemble de diplomates faut révoquer des diplomates américains. Yeah, faut révoquer. Parce que nèg yo pou beaucoup dans façon ou t'ap gérer dossier. Parce que pas ça que mené nous là, il était annoncé. OK? Il était annoncé. Donc il y a eu quelque part en fait, on mes interprétations et donc tu as une incompréhension de l'ampleur de cette crise de la part de certains acteurs de l'international qui justement et malgré nous toutes nous-mêmes gens nous t'ap vivre li moun k'ap pèdi la vie chaque jour négoté justement te dérefisé attaquer problème nan par racine c'est réinstaurer la sécurité qui est important pour capable faire d'autres projets que vous gagnez ou pas capable ignorer l'unité toujours dit ça OK et donc voilà guys dernier update yo Jean Doula membre commando yo actuellement gardé yo en DCPJ et ça yo dit OK yo actuellement gardé des membres dit entre guillemets parce que moi-même difficile pour me croire que des mercenaires comme si on y font petit coup là et puis il y a et comme dit ça il y a le serré koyo dans même pèlerin. Est-ce que nèg yo moun pèlerin pour y a le serré koyo pèlerin monsieur nèg depuis même asoir nèg ki ça si nèg c'est bateau y a prend ou prend bateau si yo gon petit avion côté yo gon tan sorti yo prend petit avion yo décoller y a aller. Et jouet qui parle là. Eh bien, c'est un avion qui va faire une opération. Et puis, j'entends dire là, si c'est bateau, si c'est avion là,
et puis l'anik prend avion et puis il décolle d'aller. Vous comprenez? Ça vous comprenez là. Aïe, vous pas prendre ça là. Comme ça. Donc voilà gars, justement, nous te voulons porter update ça pour nous. Restez branchés puisque nous-mêmes les toutes dernières infos nous promettent pour nous porter yo pour vous. C'était un véritable plaisir. Bye bye tout le monde. Thank you.